Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode du Chinois Tendance. Aujourd'hui, nous allons encore parler de l'expression Shennan et Shennu, qui signifie de manière littérale les hommes et les femmes restants. C'est-à-dire les hommes et les femmes qui ne sont pas mariés et qui ont en plus dépassé l'âge moyen pour se marier. L'expression Shennu est plus souvent utilisée que Shennan. D'une manière générale, il s'agit des femmes célibataires de 27 ans et plus qui ont souvent un haut niveau d'études, des salaires élevés et sont souvent assez jolies. Mais il peut également s'agir de personnes qui, au contraire, ne disposent d'aucun avantage physique ou financier. La plupart des Shennu ont des critères élevés pour choisir leur partenaire. Elles préfèrent être seules que mal accompagnées. Puisqu'elles ne souhaitent pas revoir leurs critères à la baisse, elles en deviennent donc Shennu. Le caractère Shen signifie restant, comme par exemple Shen Xia. Voyons un exemple. 这些剩下的钱是谁的? La monnaie qui reste est à qui? 这些剩下的钱是谁的? Ou bien, 把剩下的牛奶放到冰箱里. Mets le reste de lait au frigo. 把剩下的牛奶放到冰箱里. Le caractère nu signifie fille, femme. Et le caractère nan signifie garçon, homme. En Chine, on a un proverbe qui dit Nan da dang hun, nu da dang jia, qui veut dire que les hommes ou les femmes doivent se marier à l'âge approprié. Si tout le monde fait ça, il n'y aura plus de shen nu ou bien de shen nan. Allez, regardons tout de suite l'épisode qui raconte l'histoire des shen nan et shen nu. <音>小琪姐，你要去相亲啊？交些朋友而已。就是嘛，人家父母为子女儿注册的，行不啦？选小琪这种工作圈的又稳定，又不喜欢社交场合的女孩子，上个相亲网站，找到自己的另一半，有什么不好？难道你想让小琪成为剩女啊？小琪条件这么好，怎么可能成为剩女？现在网站上能有几个好人？小琪，他们都有心怀鬼胎，没有一个安好心的。 哎哎，你这跟说话怎么这个样子？人家上个相亲网站就心怀鬼胎，没安好心了。你就没怀鬼胎，安了好心了？我没安好心，有本事的话你给我打赌，赌就赌，谁怕谁啊？网站上一帮男的能有一个让小琪看上眼的，就算我输。那小琪见面的时候，咱们跟着去，怎么样？去就去。小琪呢？小琪呢？早就走了。哼，哼。 哥有车有房，没贷款。这金钱可是婚姻的基础啊！你想要啥，随便说。你行，住白宫行吗？谢谢，我要的你恐怕给不了。多难听，多有活力！哇哇，姐姐，我就喜欢你这 style， 够酷。这是找男朋友，不是养鹦鹉。小弟弟。 我不喜欢你这种类型的，太嫩。你今年26啊？年纪大，成熟稳重。我才比你大一轮儿。这是叫他哥还是叫他叔啊？不好意思啊，大叔，咱们差得有点多。哎，这个男的肯定老实。
跟这种人生活，闷死。 对不起，您叫什么？我叫郑小西小姐。哎，这个有点意思啊。我们在网上聊过的。你是？天空知道我的寂寞。啊，那个外科医生。 就是我，我可以叫你小琪吗？显得亲切。嗯，你好像不大爱说话呀。嗯，我不大会说。不爱说好啊？好多女孩一见面，那嘴就停不下来，能把舌头都给说熟了。还，你看看我，光顾着说话了，都没点喝的，不体贴，不体贴。服务员。 三十你好，两杯卡布奇诺。啊，我来杯果汁，谢谢。小琪，你知道吗？你比照片上更漂亮，总算还配得上我。我跟你说，相亲啊，我见得多了，没几个能干的，净是矮穷矬，要不然就离婚的，带着孩子的。就前两天我见那个，孩子都4岁了，还跟我装嫩呢。 您在医院工作，平时应该很忙吧？我平时那应酬可多了，那帮女病人啊、小护士啊，整天就围在我身边转悠，没办法呀。谁叫我长什么精神呢？我说句不中听的啊，女人到了你这个年纪啊，就该收收心了。女人跟男人不一样，男人三十一朵花，女人三十豆腐渣。 即使你有沉鱼落雁、闭月羞花的容颜，总有消逝那么一天吧。所以要求不要那么高，找个好人就嫁了吧，总比当剩女强。三儿，你点的果汁。好，谢谢谢谢。不客气。虽然我长得帅了点吧，你也不用害羞成这样。来，喝果汁。哎呦呦呦！大爷了大爷了大爷了！人面兽心，衣冠禽兽。 来来来，我帮你擦擦。来，你干什么呢？关你什么事啊？还说我女？同事。哈，学电视里英雄救美呢？我，哎，苏然，不好意思，我觉得咱不合适。您请回吧。好，今天算我倒霉。 就喜欢这么要命的运动是吗？跟你无关。对，就是我这个无关紧要、莫名其妙的人，帮你打篮球，又帮你救活小乌龟。把小龟还给我。郑小琪，你的心真的是石头做的吗？我的小龟还我。如果我说我把小乌龟放在你桌子上了，你是不是转身就要走？ 我朋友说了，你的小乌龟是心病，它太孤单了，所以就抑郁了。谢谢你治好了它。
你还欠我一段故事。我没有什么故事。郑小琪，你能不能别这么折磨自己？你还这样当剩女啊？就算我成了剩女，跟你无关。我曾经想过，还要不要把小乌龟带回来，可最后想想，还是应该让你自己给她自由。回忆过去并没有什么不对，可总把自己放在记忆里，你真的会好过吗？ Nous allons à présent vous enseigner des mots appartenant à la même catégorie. Lorsque vous devez effectuer des formalités administratives, il vous faut remplir des fiches d'état civil ou autres. Il est donc nécessaire de connaître le vocabulaire adéquat. Wei hun. Célibataire. Yi hun. Marié. Li yi. Divorcé. Ces mots sont des termes administratifs qui ne sont utilisés qu'à l'écrit. À l'oral, on utilisera plutôt « danshen », célibataire. Il est utilisé comme adjectif en chinois. Un exemple très simple. « 我是单身 », je suis célibataire. « 我是单身 ». Pour le mot « 已婚 », on dit à l'oral « 已经结婚了 », déjà marié. Donc, on peut dire « 老师已经结婚了 ». Le professeur est déjà marié. 老师已经结婚了. Alors, on remplace 离异 par 离婚 à l'oral, comme 他的父母离婚了. Ses parents ont divorcé. 他的父母离婚了. Allez, revoyons comment les personnages utilisent l'expression du jour dans l'épisode. 搞什么东东啊？一见钟情网，让你遇到梦中的那个他。嘿，这不是我们小琪姐吗？小琪姐，你要去相亲啊？交些朋友而已。就是嘛，人家父母为自己女儿注册的，行不啦？选小琪这种工作圈的又稳定又不喜欢社交场合的女孩子，上个相亲网站，找到自己的另一半，有什么不好？难道你想让小琪 成为剩女啊？小琪条件这么好，怎么可能成为剩女？现在网站上能有几个好人？小琪，他们都有心怀鬼胎，没有一个安好心的。哎哎，你这跟人说话怎么这个样子？人家上个相亲网站就心怀鬼胎没安好心了，你就没坏鬼胎安了好心了？我没安好心，有本事的话你跟我打赌，赌就赌，谁帮谁啊？网站上这帮男的能有一个让小琪看上眼的，就算我输。那小琪见面的时候，咱们跟着去，怎么样？ 去，有去。小琪呢？小琪呢？早就走了。Dans cet épisode, nous avons beaucoup parlé des shennan et puis des shennu. Notre but n'est bien entendu pas de nous moquer des personnes qui sont célibataires à un âge avancé. Après tout, ce n'est pas si dramatique de vivre seul. C'est un autre mode de vie avec ses avantages et ses inconvénients. Bien, notre chinois tendance du jour est terminée. Apprendre le chinois dans danse en regardant une série. À bientôt. Zaijian.